أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الشيخ سلام الشقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous voilà à la sixième partie de sourate al-Fatiha. Vous avez vu, subhanallah, qu'il ne s'agit pas que de lire cette sourate, mais il est important de la méditer, de comprendre les finalités de chaque verset. On aura encore d'autres parties, subhanallah, pour comprendre réellement qu'est-ce qu'Allah a voulu nous transmettre comme message. Ce message, subhanallah, il arrive à chaque rak'a, chaque unité de notre prière. On la récite 17 fois, et 17 fois, qu'est-ce que j'en ai tiré à chaque fois? C'est beaucoup quand même, hein? Ça c'est que pour les prières obligatoires. Si on calculait les nawafil, les prières facultatives, c'est-à-dire non obligatoires, on arriverait à 60 fois par jour à réciter Sourate al-Fatiha. J'ai lu 60 fois par jour Sourate al-Fatiha, multiplié par le nombre de jours qui passent. Qu'est-ce que j'ai retenu de Sourate al-Fatiha? Si c'est juste la lire, à quoi bon sert de prier? D'accord? Et subhanallah, on a vu l'importance de la basmala. On ne dit pas au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, mais par le nom d'Allah. Hein, toute chose est bénie. Par le nom d'Allah, on obtient son aide. D'accord? Il était important aussi, on a vu l'importance de se protéger contre Shaitan le lapidé, pour éviter qu'il vienne nous perturber aussi dans la prière ou même dans la lecture et la compréhension du Coran. On a vu l'importance d'être reconnaissant envers son Seigneur, reconnaissant dans son être en tant qu'Allah unique, Dieu est l'unique à l'adorer. On avait vu l'importance aussi de Rabbul Alamin, le maître des mondes. Que signifient tous ces mondes-là? On a compris la valeur, la grandeur de sa majesté Allah. Et aujourd'hui, on va voir l'importance de Ar-Rahman Ar-Rahim, deux noms divins qu'Allah cite dans cette sourate. Deux noms divins magnifiques dont le compagnon, radiallahu anhu, Ibn Abbas, a dit deux noms miséricordieux. L'un des deux noms est plus miséricordieux que l'autre. Mais tous les deux sont miséricordieux. Mais il y en a un qui est encore plus miséricordieux que l'autre. Et le nom Ar-Rahman va être cité dans le Coran 57 fois d'après Al-Mu'jam Al-Mufahras. Vous savez, ce glossaire où sont répertoriés les versets quand on veut chercher en arabe par mot dans le Coran. 57 fois le nom Ar-Rahman. Et subhanallah, 114 fois le nom Ar-Rahim. Le double. Vous voyez, subhanallah, Ar-Rahman 57 fois, Ar-Rahim 114 fois. Et ces deux nobles noms, tirent leur racine dans Rahma, la miséricorde. En arabe aussi, on dit Ar-Rahim, au niveau de l'utérus. Vous savez, c'est là où on va naître. On va naître de la rahma de notre mère, Rahim. Hein? Vous voyez, subhanallah. Et ensuite, on va dire Silat al-Rahim. Les liens, si on traduit mot à mot, les liens de la miséricorde. Les liens familiaux, c'est les liens de la miséricorde. Et on a une époque où il n'y a plus de miséricorde entre nous. Chacun pour soi et Dieu pour tous.
il n'y a plus de rahma dans la société. Hein? Quand on a envie de tuer, on tue parce que tu me déranges, ça ne me plaît pas. Quand on a envie de s'énerver, s'emporter parce que l'autre nous a dit une parole qui ne nous convenait pas, vous voyez, il n'y a plus de miséricorde entre nous, subhanallah. Alors que Rahim, c'est l'utérus, vous savez, c'est là où va grandir le bébé. Hein? Il vient de la Rahma, subhanallah. Et retenez bien, les liens familiaux, silat rahim en arabe, c'est les liens de la miséricorde. Si on voulait traduire exactement la signification de silat rahim en arabe. Le compagnon Abdallah ibn Mubarak a dit, Ar-Rahman est celui, lorsqu'on l'invoque, il exauce. Ar-Rahman. Et Ar-Rahim est celui qui, lorsqu'on ne l'invoque pas, il se met en colère. C'est fort quand même comme parole, subhanallah. Ça veut dire qu'Allah aime qu'on l'invoque et il déteste ceux qui se retiennent à l'invoquer. Hein? Ça signifie quoi? Qu'il faut toujours aller vers la miséricorde d'Allah, qu'Allah est miséricordieux, qu'il n'est pas en colère contre toi. Il le sera que si tu ne te rapproches pas de lui. Comment peux-tu, il peut t'envoyer cette épreuve et penser qu'il est en colère contre toi alors qu'il te dit ce Coran, quand tu l'ouvres, tu vas commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avec, par le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. On n'a pas le droit de se dire « Allah est en colère contre nous ». Vous allez voir tout le long, subhanallah, la grandeur et la majesté de notre Seigneur. Et les savants vont donner trois avis. Vous savez, il y a trois types de savants, trois avis, trois définitions concernant le « Ar-Rahman Ar-Rahim ». Premièrement, « Ar-Rahman », pour certains savants, est celui dont son entière grâce touche toutes ses créatures sur terre. Ça, c'est la rahma générale, d'accord? Toute chose créée par Allah, ne serait-ce que le petit grain de sable, la petite fourmi, la petite poussière, la montagne, le vent, la pluie, le soleil, l'être humain, tout est touché par la grâce divine. Vous vous rendez compte, on rentre dans cette prière et on est en train de dire, « Ya Allah, tu es le miséricordieux, le meilleur dans ta miséricorde, dans la miséricorde, hein, je ne peux pas penser à un seul moment que tu peux être en colère contre moi. Hein, vous voyez? Et dont sa grâce est réservée aux croyants dans l'au-delà. Donc regardez ce que nous disent les savants, certains types de savants. Ar-Rahman est celui dont son entière grâce touche toutes ses créatures sur terre. Donc ça, c'est la miséricorde générale et dont sa grâce est réservée aux croyants dans l'au-delà. Donc quand on dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le maître des mondes, Ar-Rahman Ar-Rahim, tu es miséricordieux, Ya Allah, avec cet univers et dans cet univers, tu vas privilégier et tu vas accorder plus de miséricorde aux croyants dans l'au-delà. » Vous voyez, il y a la miséricorde générale et la miséricorde privée. C'est-à-dire qu'Allah va accorder encore plus de grâce, plus de clémence à un certain type de ces créatures. Ar-Rahim, nous disent ces savants-là, est celui dont sa grâce est réservée aux croyants le jour du jugement. Ar-Rahim, c'est la miséricorde qu'Allah va accorder à ses croyants le jour du jugement, ce jour terrible. D'ailleurs, on va la semaine prochaine, bi'idhnillah, définir ce jour du jugement. Qu'est-ce qui va se passer au jour du jugement? La comparution, l'enfer, le paradis, vous allez voir, ça va être un long chapitre, hein, c'est pas fini, on n'a vraiment pas fini avec Sourate al-Fatiha. Le paradis, comment est le paradis? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les gens du paradis? Qu'est-ce qui va se passer une fois que le jugement sera rendu pour tout le monde?
le pont Sirat aussi. Donc vous voyez que le jour du jugement, il faut vraiment savoir ce qui va se passer pour s'y préparer. Mais Allah Azzawajal, ce jour-là, va accorder plus de miséricorde, plus de grâce et de clémence aux serviteurs, Ibad al-Rahman, les serviteurs du miséricordieux. Et ces savants se basent sur le verset suivant, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Le miséricordieux s'est établi sur le trône. Donc, comment ? Pourquoi ? Ça, on ne pourra jamais trouver de réponse à cette question et ça ne sert à rien de se poser cette question. On sait juste qu'il s'est établi sur le trône. Quand, comment, pourquoi ? Pas de réponse, ça ne sert à rien de se poser ou de se reposer cette question. Et ces savants ont expliqué ce verset en disant que l'établissement d'Allah sur son trône a pour objectif de combler toutes ses créatures par sa clémence. Juste avant, il a dit « Rabbul Alamin, le maître des mondes ». Donc vous voyez, quand il s'est établi sur son trône, il s'est établi sur son trône, parce que c'est le miséricordieux, je traduis, le miséricordieux s'est établi sur son trône. Pourquoi ? Pour combler toutes ses créatures de sa grâce. Donc, le musulman, le non-musulman, l'animal, la végétation, les astres, les pierres, etc., Allah Azza wa Jal les a comblés de sa grâce. Et bien, quand on médite ces deux noms, on ne peut pas être méchant avec les autres, ou se permettre de juger les autres, ou se permettre de dépasser les limites avec d'autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ou que ce soit les animaux, la végétation, etc. On n'a pas le droit de dépasser cette limite. Parce qu'Allah nous dit, le miséricordieux s'est établi sur son trône, c'est-à-dire qu'il va combler toutes ses créatures de sa clémence. Dans un autre verset, Allah Azzawajal nous dit dans Surat At-Tawbah, le repentir, verset 128, « Bil mu'minina ra'oufun rahim » Avec les croyants, il est très clément, miséricordieux. Raouf, c'est encore plus fort que miséricordieux, c'est-à-dire plein de miséricorde envers les croyants. Hein? Les croyants, subhanallah, c'est croire les six piliers de la foi. Croire, premier pilier. Comment ? En Allah. Voilà, croire en Dieu, en ses prophètes, en ses livres, en ses anges, jour du jugement, le destin. Voilà. Le destin bon ou mauvais, c'est là où Allah nous teste surtout. Le destin bon ou mauvais, est-ce que tu vas l'accepter ? Est-ce que tu te dis, Allah, il est Rahman Rahim ? Pour pouvoir accepter ce bon et ce mauvais destin. Parce qu'Allah, il est Rahman Rahim. Tu ne peux pas dire à un moment donné, il est clément et très clément, et en même temps ne pas accepter le mauvais destin, subhanallah. D'accord ? Même une maman, quand elle punit son enfant, elle reste toujours une maman. Hein ? Elle le fait pour son bien. C'est comme ça qu'il faut penser avec son Seigneur. C'est que lorsqu'il m'afflige une épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, eh bien, je dois accepter parce que je sais qu'il est Rahman, qu'il est miséricordieux et qu'il veut, à travers cette épreuve, m'éduquer, renforcer ma foi et me rapprocher de lui en m'élevant. Dans un autre verset, dans Surat al-Baqarah, verset 143, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Donc, Allah a envoyé son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde. Par miséricorde, il est là pour nous faire rapprocher d'Allah. À ce sujet, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah est une miséricorde pour la personne qui obéit à Dieu et pour la personne qui désobéit aussi à Dieu. Regardez ce que dit subhanallah ce compagnon, c'est vraiment des paroles à méditer. Celui qui croit au messager, sa grâce le touchera sur terre et dans l'au-delà.
C'est-à-dire qu'il va suivre la tradition du prophète, il sera récompensé, et cette récompense, il va la récupérer le jour du jugement. Et il pourra accéder au paradis. Et celui qui ne croit pas au messager d'Allah, la grâce le touchera que sur terre en lui épargnant le châtiment qu'il aura à subir le jour du jugement. Donc il ne sera pas châtié sur terre, mais il sera châtié uniquement dans l'au-delà. Vous voyez, la miséricorde d'Allah, elle touche celui qui obéit à Dieu et celui qui n'obéit pas aussi à Dieu, parce que Allah, il lui réserve uniquement un châtiment dans l'au-delà et non sur terre. D'autres savants vont donner comme avis le fait que Ar-Rahman est le seul nom qui a égalé le nom entre guillemets Allah. Vous voyez que c'est son nom, Allah, il s'est défini comme ça dans le Coran, puisque Allah Azza wa Jal nous dit قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Dit que vous invoquez par le nom d'Allah ou par le nom Ar-Rahman, أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Quoi que vous invoquiez, il a les noms les plus sublimes, les plus beaux. Il a les noms divins, subhanallah. Donc on dit Ya Allah ou qu'on dit Ya Rahman, c'est la même chose. Il a les plus beaux noms. Et vous voyez que subhanallah, dans ce verset, dit que vous invoquiez par le nom d'Allah ou par Rahman, eh bien c'est le seul nom qu'Allah Azza wa Jal va choisir parmi les 99 noms. Donc vous voyez qu'il a il va le mettre sur le même pied d'égalité, Allah Ar-Rahman. Donc parmi ces 99 noms, il va choisir uniquement Ar-Rahman, subhanallah. D'où encore une fois un témoignage de sa miséricorde. Al-Hassan a dit Ar-Rahman est un nom que les gens ne peuvent pas l'emprunter ou utiliser pour eux. C'est un nom réservé uniquement à Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahman. On ne peut pas appeler quelqu'un Rahman. On va dire Rahim, Abdelrahim. On va le dire quelqu'un Rahim. Mais on ne dira pas à quelqu'un où on le nomme Rahman. Regardez autour de vous, on n'a jamais surnommé quelqu'un Rahman. Hein? Abdelrahman, oui, le serviteur du miséricordieux, mais on n'appellera jamais quelqu'un Rahman ou Ar-Rahman. D'ailleurs, Musaylima al-Kadhab, à l'époque des compagnons, cet homme, subhanallah, a voulu s'appeler Musaylima Ar-Rahman. Et Allah va le châtier. Parce qu'il a emprunté un nom d'Allah Azza wa Jal. On dit donc un tel est Rahim et on ne dit jamais quelqu'un est Rahman. Jamais. Dans Surat Ar-Rahman, donc elle porte le nom du très miséricordieux Ar-Rahman, le premier verset va commencer par Ar-Rahman. Ar-Rahman, allam al-Qur'an, il a enseigné le Qur'an, le Coran. Et dans le dernier verset, subhanallah, qui est le verset 78 de cette sourate, Allah dit « Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. »« Tabarak ismu rabbika dhul jalali wal ikram » en référence à Ar-Rahman. Donc il commence la sourate par un de ses noms et il va finir cette sourate en disant « Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Ce nom, il est béni. Donc quand vous voulez invoquer, privilégiez ce nom divin parce qu'il est béni. Allah nous dit Tabarak, Tabarak ismu rabbika dhul jalali wal ikram. D'autres savants, et ça sera le plus bel avis, le meilleur avis, pour différencier les deux noms, Ibn al-Qayyim a dit Ar-Rahman qualifie l'être d'Allah. Et Ar-Rahim va qualifier ses actes. Et ce qui est important dans ce tafsir, c'est qu'on doit être Rahman envers nous-mêmes, d'accord ? Avoir une bonne estime de soi, avoir confiance en soi, s'aimer, s'apprécier pour pouvoir aimer les autres et donner. Parce
qu'Allah il se qualifie comme étant Ar-Rahman et ensuite il va qualifier ses actes en étant Ar-Rahim. Donc avant d'être miséricordieux, Allah, c'est ce qu'il nous dit, avant d'être miséricordieux et clément envers les autres, il faut que tu le sois envers toi-même. Parce que même Allah nous dit, le prophète, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Toi-même, tu es une rahma. Et quand tu es une rahma, tu peux donner aux autres. Mais si on n'a pas cette clémence, eh bien, on va avoir un problème, une faille dans notre cœur. On va avoir un problème dans notre âme. Donc, soyons miséricordieux envers nous-mêmes, parce qu'Allah, il s'est qualifié comme ça, pour pouvoir être le meilleur et donner le meilleur de soi-même pour les autres. Et celui qui va offrir sa grâce, sa clémence envers les autres, eh bien, il ne fait que du rire, subhanallah, parce que les gens ont besoin de la grâce des autres. Dans les familles, on va devoir se supporter, on va devoir s'accepter, on va devoir s'adapter, subhanallah, si on ne fait pas cet effort-là. Eh bien, on brise les liens de parenté, subhanallah. Donc, cette rahma, elle doit avoir lieu, elle doit exister. Prendre sur soi, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe de miséricorde et de clémence envers moi-même et aussi envers les autres. Le croyant, donc, doit vivre avec le nom d'Allah. On a bien commencé, Bismillah, par le nom d'Allah. Il doit s'en imprégner. Il doit savoir qui est Allah avant d'être miséricordieux. Il y avait un homme pieux qui disait, pour toute épreuve, je dis, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à qui? À Allah. Il faut vraiment être convaincu. Et il ajoute, pour tout bienfait qu'Allah m'accorde, je dis, Alhamdulillah. Louange à Allah. Pour tout projet, je dis Bismillah, avec l'aide d'Allah. Pour toute difficulté, je vais dire La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'avec celle d'Allah. Et pour tout péché, je dis Astaghfirullah. Vous voyez l'importance du nom d'Allah. Donc, Seigneur, pardonne-moi, et Allah, pardonne-moi. Pour nous protéger de l'ennemi, qu'est-ce qu'avait dit le prophète Ibrahim ? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu seul me suffit. Et pour toute personne puissante et orgueilleuse, je dis Rabbi Allah. Mon Seigneur, c'est Allah. Le Tout-Puissant, plein d'orgueil. Et subhanallah, il faut s'en imprégner. Il faut connaître qui est son Seigneur. Il faut se rapprocher de lui, parce qu'il nous a dit comment l'adorer. Il est important après de définir ses noms divins, de méditer ses noms divins. Mais avant de méditer ses noms divins, il va falloir connaître qui est Allah Azzawajal. Allah, c'est celui qui est élevé, le majestueux, le magnifique, le sublime. Voici donc le premier nom de notre Seigneur qui est Allah. Et parmi ces noms divins, subhanallah, il va y avoir ces deux noms qui sont inséparables. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous allez souvent voir dans le Coran, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, mais il est avant tout Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mais il est avant tout Allah. Le nom le plus fort, le plus sublime, c'est Allah. Ar-Rahman, dont la grâce est magnifique. C'est pour ça que dans la salat, on va dire Subhanallah al-Azim. Magnifique dans sa miséricorde. Et vous allez voir que dans chaque verset de Surat al-Fatiha, il y a la miséricorde d'Allah. Puisque on commence avec la miséricorde d'Allah, on le remercie grâce à sa miséricorde, on cite les noms divins par sa miséricorde et on se renforce dans sa miséricorde pour être touché par sa miséricorde. Et en plus, on verra, Inch'Allah, comment se fait-il qu'Allah a placé sa miséricorde avant le jour du jugement. Pourquoi ? Il parle de sa miséricorde avant de parler de ce jour du jugement. Vous voyez que c'est encore une fois un signe de miséricorde. Il nous parle de sa miséricorde avant de nous juger. Il a choisi un jour
pour nous récompenser, pour nous accorder le paradis, c'est un signe de miséricorde. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seul toi nous adorons, et seul auprès de toi nous demandons l'assistance. C'est une forme aussi de miséricorde, parce que tout le monde peut vous abandonner, du jour au lendemain. Allah ne peut pas vous abandonner, parce que vous, tant que vous l'invoquez, il sera toujours là, présent pour vous. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirat al-mustaqim. Seigneur, guide-nous vers le droit chemin. Tout le temps on fait cette dua. Allah, il nous a offert cette fatiha pour régulièrement demander, on s'arrête un moment dans la journée pour lui demander une faveur, sa miséricorde, de nous guider sur le droit chemin. Et en plus, subhanallah, dans cette miséricorde, on demande pour toute la communauté. On n'est pas égoïste. Ça aussi, c'est un signe de miséricorde. On implore la miséricorde d'Allah en demandant la guidance pour tous, donc pour moi et pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin dont ceux tu as comblé de bienfaits. Parmi les, enfin, les bienfaits, c'est une miséricorde. Quand Allah il te donne la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le fait de marcher, d'écouter, ben de venir ici, d'écouter, subhanallah, de pouvoir écouter un dars, de pouvoir lire le Coran, de méditer sur le Fatiha, c'est un signe de miséricorde. Ghayr al-mardoubi alayhim, et Allah, préserve-moi de ta colère, c'est aussi une demande de miséricorde. Et Allah, fais-moi miséricorde et ne sois pas en colère contre moi. Ghayr al-mardoubi alayhim wa al-dallin, et non pas de ceux qui sont égarés. L'égarement, c'est la colère d'Allah. Et quand on n'est pas égaré, donc on est sur le droit chemin, ça fait partie de la miséricorde. Allah Azza wa Jalla. Sans la miséricorde, on n'est rien. On ne peut pas avancer, on ne peut pas cheminer, c'est impossible. D'où, Bismillahirrahmanirrahim, avec l'aide d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. La grâce d'Allah, elle est vaste et elle prend le dessus surtout, puisqu'Allah nous dit وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ pardon إِنَّ هُدْنَا إِلَيْكَ إِنَّ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Allah nous dit dans Sourate Al-A'raf, donc les murailles, verset 56, réserve-nous un heureux destin en ce monde et en la vie future. Nous revenons à toi, plein de repentir. Mon châtiment tombera sur qui je veux et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, qui font la zakat et qui croient en nos signes. Je répète. Réserve-nous un heureux destin en ce monde et en la vie future. Waktublana fi hadhihi dunya hasana. Vous voyez l'importance de demander à Allah Azza wa Jalla et régulièrement qu'Allah nous accorde un heureux destin. Ce destin qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla pour nous élever. Nous revenons à toi plein de repentir. Il est important, vous voyez, que le fait de demander le pardon, ce n'est pas parce qu'on a commis un péché. C'est juste par signe d'humilité. En se faisant tout petit, on se rapproche du miséricordieux. Parce qu'on sait que sa miséricorde, elle embrasse toute chose. Et Allah nous dit, mon châtiment tombera sur qui je veux. Là, quand il parle de châtiment, il choisit. Il dit, je l'accorderai ce châtiment à qui je veux. Mais, et ce verset est très, il est plein de grâce. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Là, il ne choisit pas. Là, il englobe. Vous voyez, dans sa rahma, il l'accorde à tout le monde, à toute chose, à tout être vivant. Mais le châtiment, il dit, je sélectionne, je choisis, c'est moi qui choisis. Mais ma miséricorde, n'oubliez pas, tout le monde sera touché par cette grâce. Tout le monde, tout être vivant, toute créature, dans les cieux, dans la mer, sur terre, tout le monde sera touché par cette grâce. Subhanallah, ar-Rahman ar-Rahim. Donc quand on va réciter ce verset dans la prière, ça doit couler dans nos veines.
On doit respirer avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On doit bouger dans la salat avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Je la destine à ceux qui me craignent, qui font la zakat et qui croient en nos signes. Donc vous voyez que celui qui craint Allah, qui donne cette zakat, on ne choisit pas. On ne se dit pas, ah, combien ça va me revenir, est-ce que ça va me... Le fait de donner zakat, est-ce que ça va me revenir cher, est-ce que je vais devoir donner beaucoup? Il y en a, ils commencent à calculer, aïe, ça va faire mal au portefeuille. Et qui croient en nos signes. Al-Fatiha est un signe d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est une clémence privilégiée. Elle est accordée à certaines personnes, à ceux qui craignent Allah. Donc vous voyez que il y a la rahma générale, donc la rahma d'Allah, elle va toucher toute chose, mais une certaine catégorie de personnes sera encore plus touchée, ceux qui le craignent, ceux qui donnent l'impôt pour le pauvre et ceux qui croient véritablement en nos signes. Et l'univers entier est touché par la grâce d'Allah Azza wa Jal, cette grâce qui est entière, complète et parfaite. Rien ne lui résiste. Il a choisi d'accorder sa grâce. Cependant, celui qui va écouter ce rappel, même le non-musulman qui écoute ce rappel de la grâce d'Allah Azza wa Jal, ne peut pas être indifférent face à ce verset. Subhanallah. Allah, il commence tout le Coran par sa miséricorde. Vous savez, il va mentionner une fois un nom divin, une seule fois, Jabbar, hein, puissant. Seulement une seule fois dans le Coran. Il va parler plusieurs fois de sa miséricorde et le puissant, une seule fois. Il le mentionne dans Sourate Al-Hashr. Donc cette miséricorde, elle s'étend en tout lieu et en tout temps, sur terre et dans l'au-delà, dans les cieux, dans la mer, sur terre, subhanallah, sous terre aussi. Et il y a un verset qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment impressionnée, où Allah va parler de ses anges. Une certaine catégorie d'anges, ceux qui portent le trône d'Allah, Azzawajal. Ceux qui, écoutez, je le répète, hein, ceux qui portent le trône d'Allah, puisqu'Allah nous dit, pendant que les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent exaltent les louanges de leur Seigneur et implorent son pardon en faveur de tous les croyants. Donc tous les jours, il y a des anges, ceux qui portent le trône d'Allah, Azza wa Jal, et même ceux qui sont autour, mais surtout ceux qui portent le trône d'Allah, ils font des doigts pour les croyants. Vous voyez, encore une fois, la miséricorde qui touche, une miséricorde privée qui touche les croyants. Je répète. Pendant que les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent exaltent les louanges de leur Seigneur et implorent son pardon en faveur de tous les croyants. Seigneur, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses, pardonne à ceux qui se repentent et se remettent sur ta voie. Préserve-les des supplices de l'enfer. Je répète la doua de ces gens anges. Seigneur, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses, pardonne à ceux qui se repentent. Subhanallah, ça donne envie de se repentir, même pour des petits riens. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ils implorent ces anges, pardonne à ceux qui se repentent. Là, tout le monde doit courir vers le repentir, soujoud, lillah, et on demande pardon à Dieu. On doit revenir très vite. Chaque salat doit être un moment où on demande pardon à Dieu. Donc Seigneur, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses, pardonne à ceux qui se repentent et se remettent sur ta voie. Donc même eux sont touchés par la miséricorde d'Allah quand ils choisissent de revenir vers Dieu. Donc vous savez, on peut commettre des péchés, on peut tomber, on peut fauter, on peut commettre des erreurs, mais du moment où on choisit de revenir dans la voie d'Allah, eh bien ses anges demandent à Allah sa miséricorde et son pardon. Et c'est pas fini. Donc là, on a la miséricorde, le pardon,
sur terre et préserve-les des supplices de l'enfer. Ça donne envie de dire La ilaha illallah. Ça donne envie de dire Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça donne envie de réciter la Fatiha avec son cœur. Ça donne envie d'être en prosternation et de demander à Allah Azza wa Jal sa miséricorde, non pas que pour nous, mais pour tous les croyants. Hmm? Oui, subhanallah, cette communauté, elle est bénie. Elle est vraiment bénie, subhanallah. Et il est le plus miséricordieux, subhanallah, de tous les miséricordieux. Quand on va dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, on ne va pas penser qu'à soi, on va penser à tout le monde, à toutes ces créatures et à ces anges qui implorent la miséricorde pour nous, pour tous les croyants, subhanallah. Et vous allez voir aussi dans le Coran, subhanallah, aux pureté à Allah, quand on dit subhanallah, pureté à Allah, azza wa jalla, et il mérite qu'on en répète, pureté à Allah, pas de défaut, il est le parfait. Certains prophètes, quand ils invoquaient Allah, azza wa jalla, ou quand ils pensaient, ils méditaient au sujet d'Allah, pour eux, il était très miséricordieux. Yusuf, alayhi salatu salam, il dit à ses frères, par Dieu, quand il va s'adresser, vous savez, ils arrivent dans le palais et ils vont rencontrer Youssef, alayhi salatu wassalam. Ses frères lui disent, par Dieu, Dieu t'a préféré à nous et nous, nous avons été coupables. Donc ils reconnaissent leur tort, subhanallah. Qu'est-ce qu'il leur répond? Soyez sans crainte, que Dieu vous pardonne, il est le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Ce qui est arrivé à Youssef, ça n'est pas rien, subhanallah. Ça n'est pas rien. À 10 ans, il est jeté dans au fin fond du puits. C'est même pas. C'est vraiment tout au fond du puits. Par jalousie. Ils ne l'ont pas accepté. Et ils ont voulu l'éliminer. Il y en a qui ont même pensé à vouloir le tuer. Hein. Mais d'autres, il y en a un, le plus grand, a dit non, non. On va le jeter dans un puits, mais on ne le tue pas, on ne le touche pas. Des années après, puisqu'il a vécu loin d'eux, il leur dit que Dieu vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Qu'est-ce que veut nous dire Youssef, alayhi salatu wassalam, à travers ce verset? Parce que là, c'est la famille, là, c'est la fratrie. Que si on ne s'imprègne pas de la miséricorde d'Allah, si on n'a pas médité sur la clémence et la générosité d'Allah, on ne peut pas être miséricordieux envers les membres de sa famille. Il a compris qui est Ar-Rahman, qui est Ar-Rahim, et il leur a pardonné. Il leur a dit que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce n'est pas donné à tout le monde de pardonner à son frère ou à sa sœur de sang. C'est souvent la guerre, c'est souvent les conflits. Surtout quand il s'agit d'héritage, subhanallah, c'est là où on s'entendait bien. Et puis bon, quand on va devoir partager, et ben, on se fait la guerre. Il a invoqué la miséricorde d'Allah. Moussa, alayhi salatu wassalam. Quand les Bani Israël vont adorer le veau, Allah, il venait juste, tout juste de les libérer du mal de Pharaon. Il les a vraiment sauvés. Ça a été un miracle, hein, cette mer qui se fend en deux. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère. Reçois-nous au sein de ta miséricorde, car ta miséricorde n'a point d'égal. Reçois-nous au sein de ta miséricorde. Vous voyez, subhanallah, que parfois dans l'épreuve, il faut aller se réfugier dans la miséricorde d'Allah. Quand ça ne va pas autour de toi, va te réfugier auprès de ta miséricorde, puisqu'il dit, Ya Allah, reçois-nous, moi et mon frère, reçois-nous dans ta miséricorde. Est-ce que vous avez entendu le mot colère ou vous avez ressenti le mot colère dans ces versets, tous les versets que je viens de citer? Il n'y a pas de colère. Ayyub,
prophète Ayoub, alayhi salat wa salam, qui a été touché par la maladie. Ça peut nous arriver que nous-mêmes on soit touché par la maladie ou un proche, ou toute autre épreuve. Allah nous dit dans la sourate les prophètes, versets 83 et 84, « Souviens-toi Ayoub lorsqu'il a adressé à son Seigneur cette prière. » Souviens-toi. Allah il te demande à chaque fois de te souvenir quand une épreuve t'arrive. Souviens-toi. Ayoub, lorsqu'il a adressé à son Seigneur, cette prière. Le mal dont je suis atteint me fait souffrir. Mais toi, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Nous l'avons exaucé, nous l'avons délivré du mal dont il souffrait et nous lui avons rendu sa famille doublement accrue par un effet de notre grâce. À titre d'exemple, pour nos serviteurs. Je vais répéter parce que Allah nous dit, c'est pour mes serviteurs que je fais rappeler l'histoire d'Ayoub. La prière surtout d'Ayoub, alayhi salam. Souviens-toi, Ayoub, lorsqu'il a adressé à son Seigneur cette prière. Le mal dont je suis atteint me fait souffrir. Mais toi, ya Allah, mais toi, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Et Allah va lui répondre, nous l'avons exaucé, nous l'avons délivré du mal dont il souffrait et nous lui avons rendu sa famille doublement accrue par un effet de notre grâce à titre d'exemple pour nos serviteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire d'Ayoub, on doit tous la méditer. Et on doit s'en imprégner. Et on doit invoquer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas invoqué Allah, guéris-moi, soigne-moi. Il a dit, Allah, j'ai été touché. Il a été pudique envers Allah. Il a été humble envers son Seigneur. Et Allah, j'ai été touché par un mal. Le mal dont je suis atteint me fait souffrir. Il explique Allah, et Allah, je souffre. Mon corps souffre, subhanallah. Mais toi, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Il a invoqué, il a mentionné la miséricorde d'Allah et par la miséricorde d'Allah, Allah va le soigner. Donc, il n'a jamais demandé à Allah, guéris-moi. Allah me shafi ishfini. Allah me yas'aluka shifa. Il n'a pas demandé ça. Il a juste imploré la miséricorde d'Allah Azza wa Jal parce qu'il savait qu'Allah était très miséricordieux. Vous voyez, l'exemple d'Ayoub, c'est un exemple dont on doit vraiment s'en servir à chaque épreuve. Et Allah, j'ai été touché par telle épreuve et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et ça, cette doua, même cette doua, elle est pleine de miséricorde. Et Allah nous dit, nous l'avons exaucé, nous l'avons délivré du mal dont il souffrait, nous lui avons rendu donc sa famille doublante, puisqu'il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, il avait 14 enfants. 14 enfants, Allah va lui rendre le double. Les animaux, tout ce qu'il avait, Allah il lui a rendu en double. Parce qu'il a mentionné la miséricorde d'Allah. Allah nous dit, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Les Croyants, verset 118, dis, Seigneur, pardonne-nous et accorde-nous ta grâce, car tu es le meilleur des miséricordieux. Allah dit, qul, dis-le, il faut que ça sorte vraiment de ton cœur, il faut que tu vives cette miséricorde, que tu la comprennes et que tu implores la miséricorde d'Allah. Qul, comme dans qul wallah wahad, tu dois le dire et tu dois vraiment vivre l'unicité d'Allah et il est unique dans sa miséricorde. Il est vraiment unique dans sa miséricorde et il est magnifique, subhanallah, dans sa miséricorde. Dis, Seigneur, pardonne-nous. Il faut le dire, ya Allah, pardonne-nous et accorde-nous ta grâce car tu es le meilleur des miséricordieux. Celui qui est convaincu qu'Allah est miséricordieux, il ne peut pas penser, ne serait-ce qu'une seule seconde, qu'Allah est en colère contre lui. Allah, il nous a demandé de l'invoquer. « Ud'ouni astajib lakum » et je vous exaucerai. Allah, il nous a dit seulement de l'invoquer. Il se charge du reste de répondre à notre invocation. Quand, comment, cela appartient uniquement à Allah. Nous, on se doit uniquement de l'invoquer, de prier Dieu.
Et Allah Azza wa Jal nous fait rappeler sa création. En nous parlant de sa miséricorde. D'ailleurs, la semaine dernière, quand on a dit Rabbul Alami, on avait parlé aussi de la création d'Allah. Allah, il nous parle de sa création pour nous dire « Hé, n'oublie pas qui t'a créé. N'oublie pas qu'il y a eu un début. Tu as peut-être l'âge que tu as, mais tu viens d'un début qui est le Créateur, celui qui t'a créé. » Mais Dieu, par un effet de sa miséricorde, a institué la nuit et le jour pour nous permettre pour vous permettre de vous reposer et d'aller à la recherche de ses faveurs. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Allah nous dit, par un effet de sa miséricorde, il va créer le jour et la nuit pour vous permettre de vous reposer. On se repose quand ? La nuit, de temps en temps la journée, mais bon, le repos c'est surtout la nuit, pendant des heures, 8 heures normalement de sommeil à peu près. Et d'aller à la recherche de ses faveurs, c'est-à-dire aller travailler, aller chercher la subsistance. Vous voyez, rien que ça, le jour et la nuit, Allah nous dit, peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Dormir la nuit, c'est une rahmat Allah. Aller travailler et vivre le jour, c'est une rahmat Allah. Il va falloir être reconnaissant. Donc vous voyez que, subhanallah, les prières de la nuit et les prières du jour, quand on rentre dans la prière, on dit « Alhamdulillahi Rabbil Alameen ». Il nous dit « Méditez le jour et méditez la nuit et remerciez-moi, soyez reconnaissants parce que vous avez besoin de vous reposer la nuit et vous avez besoin de vivre le jour, d'aller chercher, d'aller vous instruire, d'aller chercher la subsistance, d'accord, d'aider les autres, de faire partie de cette communauté. » Et même la pluie, celle qu'on a eue aujourd'hui, c'est une miséricorde. Allah, il nous demande de méditer. Admire donc les effets de la miséricorde d'Allah. Vois comment il redonne la vie à la terre, grâce à la pluie, hein, après sa mort. Tel est celui qui ressuscite les morts, car sa puissance n'a point de limite. Même la pluie. Il y en a, ils vont dire, oh là là, aujourd'hui, il n'y a pas le soleil. Il fait moche, il fait pas beau, il fait gris. Hein? Il y a une expression française qui dit un temps de... Vous voyez ? Un temps de chien. Même dans notre communauté, il y en a qui vont peut-être l'employer, cette expression. Un temps de chien. Vous voyez ? Et bien Allah, il nous dit un temps de miséricorde. Je répète le verset, admire. Même Allah, il nous dit... C'est même pas « regarde », c'est vraiment « sois dans l'admiration, contemple, regarde et médite. Admire donc les effets de la miséricorde de Dieu, vois comment il redonne la vie à la terre. » Vous savez, même les trottoirs, les rues, Allah, il les purifie, il les nettoie, hein, microbes, par rapport aux saletés, par rapport aux excréments, aux urines des animaux, hein. Et puis cette végétation, ces plantes, ces arbres, ces fruits, les agriculteurs ont besoin de cette pluie, subhanallah. Admire donc les effets de la miséricorde de Dieu, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. Tel est celui qui ressuscite les morts, car sa puissance n'a point de limite. La pluie ne vient que par la puissance et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Personne ne pourra... nous donner cette eau. D'ailleurs, même pour châtier un peuple, le peuple de Houd, il les a privés de la pluie pour les châtier, parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel d'Allah. Donc vous voyez que seul Allah se donne ce droit de faire tomber cette pluie. Et subhanallah, si on médite bien, regardez comment la fourmi va stocker, hein, dans sa fourmilière. Le jour où il pleut, elle ne sort pas, la fourmi. Elle va aller puiser dans les réserves qu'elle a mis de côté. Même là, Allah il nous dit, dans l'infiniment petit, méditer. Parce qu'il nous dit, admire, admire. La fourmi, il faut méditer, subhanallah. Il faut être en admiration. Comment se fait-il? Qui lui a appris à ne pas sortir sous la pluie et à aller chercher dans les réserves qu'elle a mis de côté, parce qu'elle a réfléchi.
Elle s'est dit, je vais mettre de côté. Et le jour où on en a besoin, elle va se servir dans ce qu'elle a mis de côté. Et nous, subhanallah, voilà, on met de côté, on sort et on n'admire pas, il ne fait pas beau, on est démoralisé. On n'a pas, alors que normalement, on doit être dans l'admiration, dans la contemplation et dans la méditation, subhanallah. Allah Azawajal nous dit aussi, en parlant de sa miséricorde, quand il nous parle du couple, parmi ses signes, il a créé de vous et pour vous vos épouses pour y trouver la sérénité, et il a placé entre vous son affection et sa grâce. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Il y a en cela, des signes pour ceux qui veulent réfléchir. Donc vous voyez que la relation conjugale, c'est une relation où il faut réfléchir et méditer. Comment se fait-il qu'on voit souvent des couples en guerre, alors qu'Allah il nous dit « j'ai placé entre vous la miséricorde ». Vous voyez, subhanallah. Et on n'est pas clément envers l'autre, on ne pardonne pas, on n'oublie pas, on est rancunier, on est souvent en colère, sous tension, et on ne s'accepte pas, on ne s'adapte pas, on n'est pas généreux, on est violent, on est méchant. Alors qu'Allah il nous dit, il a placé entre vous l'affection donc pour se rapprocher, pour s'aimer, et la grâce quand vous êtes en conflit. Cette grâce, elle est utile quand on n'est pas d'accord. Au moins, on accepte l'autre et on le respecte. Alors qu'aujourd'hui, subhanallah, il n'y a plus de respect au sein des couples. Les enfants sont pris en otage. Toute la famille aussi, parfois, est prise en otage, hein, pour des futilités. La miséricorde doit nous faire alors espérer. Et regardez ce que Ibrahim a dit lorsque les anges vont venir lui rendre visite et lui annoncer l'arrivée d'un enfant. Allah nous dit dans Sourate Al-Hijr, versets 53 à 56, « N'aie crainte, ont dit les invités, c'est-à-dire les anges, ici. Nous venons t'annoncer une bonne nouvelle, celle de la naissance d'un garçon plein de savoir, qui était Ishaq. Plein de douceur, c'était Ismaïl. Et leur dit Ibrahim, hein, et vous m'annoncez cette bonne nouvelle au moment où je ne suis plus qu'un vieillard. Quelle étrange annonce. Avant, je voulais un garçon. J'étais jeune. Et là, je suis vieux. Vous m'annoncez la naissance d'un garçon. Et les anges répondent, nous t'annonçons la vérité. Ne sois pas de ceux qui désespèrent. Et regardez ce que Ibrahim, alayhissalam, répond. Mais qui désespère de la grâce de son Seigneur, hormis les égarés? Il est puissant ce verset. Je répète. Et qui désespère de la miséricorde de Dieu, hormis, si ce n'est les égarés? Ça veut dire que celui qui ne croit pas en la miséricorde de Dieu, qui ne s'attache pas à la miséricorde d'Allah, fait partie des égarés, nous dit Ibrahim. Et il pose la question, il dit aux anges, mais ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister des gens qui désespèrent. Ceux qui désespèrent, dans ces cas-là, sont égarés. Oh là là, il est fort le verset, subhanallah. Alors qu'ils lui ont annoncé. Lui, c'était juste, voilà, mon âge, j'ai un âge. Imaginez, hein, subhanallah, 90 ans, j'ai une femme, un homme de 90 ans, on lui annonce qu'il va avoir un petit garçon. C'est vrai que c'est une étrange annonce. Et malgré cela, il ne désespère pas. Il n'a jamais fait partie de ceux qui désespèrent. Il a juste été étonné. Et subhanallah, Allah nous invite aussi à méditer sur la création de l'homme qui est une miséricorde. Puisqu'Allah nous dit, Ar-Rahman, dans Sourate Ar-Rahman, le miséricordieux, Allam al-Qur'an. Donc c'est par un effet de sa grâce qu'il nous a enseigné le Qur'an. Khalaq al-insan. Et il a créé l'homme avec un grand H. Par sa miséricorde.
Donc celui qui n'a pas une bonne estime de lui-même, qui n'a pas confiance en lui-même, qui ne s'accepte pas, Allah il te dit, je t'ai créé par ma miséricorde, avec ma miséricorde, et tu es une miséricorde. On doit être fier d'être un croyant, on doit être fier d'être musulman soumis à Allah. Et on doit le remercier quand on rentre dans la prière, on dit Alhamdulillah et Rabbil Alamin, on doit le remercier parce qu'on est musulman, on est croyant, et il nous a comblé, mais j'insiste là-dessus, il nous a comblé de sa grâce. Oui, subhanallah. Donc, on ne doit pas se sentir plus faible qu'un autre, ou meilleur qu'un autre. On doit voir, c'est vrai, les autres comme étant peut-être mieux que nous, parce que ça nous rend humbles, mais pas faibles. Humbles, se dire que l'autre n'est pas supérieur à moi, mais peut-être qu'il est mieux que moi. Quand je sors dehors, je me dis, sûrement l'autre est mieux que moi. D'accord ? Mais je ne dois pas me sentir faible dans et laisser les autres m'écraser. C'est dans ce sens que je veux vous faire comprendre ce que la rahma d'Allah. Donc tout l'univers est une miséricorde d'Allah. Et Allah il nous dit, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Il nous dit, c'est un signe. Et nous a interpellé là-dessus. Il nous a dit, méditez les signes. Pour ceux qui croient, sont touchés par la miséricorde, ceux qui croient en nos signes. Tout l'univers est un signe d'Allah Azza wa Jal, auquel il va falloir y croire fermement. Et le Coran a été révélé par miséricorde, puisque le prophète Aïssa a dit, lorsqu'un groupe de personnes se réunit dans l'une des maisons d'Allah pour lire le Coran et l'étudier, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les enveloppe et les anges les entourent avec leurs ailes. Et Dieu les mentionne auprès des habitants des cieux. Vous voyez, le fait de méditer le Fatiha en groupe comme ça, eh bien la sérénité descend, la miséricorde d'Allah nous enveloppe, les anges nous entourent de leurs ailes, et Allah, il parle de nous, il va prendre le nom de chacun et il va nous mentionner auprès des anges qui habitent les cieux. Et subhanallah, l'un des grands objectifs du Coran, de ce Coran que nous devons lire, méditer chaque jour, eh bien, c'est que cette religion, elle est bâtie sur la miséricorde. Et du moment qu'elle est bâtie sur la miséricorde, on doit être miséricordieux envers chacun. Et même dans les ordres d'Allah et les interdits d'Allah, il y a la miséricorde d'Allah. Puisque dans un verset, Allah nous dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Allah il nous demandera des comptes que selon nos capacités d'avoir pu adorer notre Seigneur. Et dans un autre verset, « Wattaqullah mastata'atam » et craignez Dieu autant que vous pouvez. Il n'est pas miséricordieux. Et dans un autre verset, Allah nous dit « Inna Allah yuridu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr » Allah vous veut la facilité et non la difficulté. Encore une fois, sa miséricorde nous prouve que l'adorer dans la miséricorde et la douceur et non pas dans la contrainte pour pouvoir, quand on va comparaître subhanallah, devant Dieu le jour du jugement, Allah il sait pertinemment qu'il y avait des moments où on n'a pas pu l'adorer comme il se devait. Sous la contrainte, parce qu'on devait peut-être aller travailler, retirer son voile, ou ne pas pouvoir aller à la mosquée le jour du vendredi, ou au Fajr, ou au Isha, quand on était malade. Allah Azza wa Jal nous dit, quand tu es malade, même quand tu es en voyage, voilà, même la prière du voyageur, c'est une rahmat d'Allah, il est courte. Il te dit, quand tu es en voyage, je te permets de réduire, je te facilite, tu regroupes, tu raccourcis. Tu peux ne pas jeûner. Quand tu es malade, tu ne jeûnes pas, si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Hein? Qu'est-ce que c'est? Et la miséricorde d'Allah descend sur cette communauté parce qu'on invoque dans la Fatiha pour cette communauté. Et Allah Azza wa Jal va placer Ar-Rahman Ar-Rahim, ce verset, ce deuxième verset de la Fatiha, ou ce troisième selon d'autres savants, entre Alhamdulillahi Rabbil Alameen et Maliki Yawmiddin. La miséricorde d'Allah veut que la croyance dans l'au-delà, Maliki Yawmiddin,
vient de sa grâce. Si on n'est pas touché par la grâce d'Allah pour croire en l'au-delà, parce qu'il y en a qui n'y croient pas, cet au-delà, rendre des comptes, le fait d'être musulman soumis à Dieu, ça n'est pas donné à tout le monde. On est combien de milliards sur Terre? Combien de millions à vouloir être musulman et adorer, à se soumettre à Allah Azza wa Jal? Et sans cette croyance dans l'au-delà, les gens n'auraient pas eu cette crainte. Donc ça fait partie de la miséricorde d'Allah que de croire en l'au-delà pour pouvoir le craindre. Et quand on le craint, on devient miséricordieux envers l'autre. Qui dit l'autre? C'est Rabbul Alamin. L'Alamin, c'est le maître des mondes, tous les mondes, c'est-à-dire ça englobe le musulman et le non-musulman. On doit être miséricordieux envers tout le monde, parce qu'Allah, il est miséricordieux de manière générale, puisqu'il dit « Wa rahmati wasi'at kulli shay » et ma miséricorde embrasse toute chose. Si la miséricorde d'Allah embrasse toute chose, pourquoi moi je ne suis pas miséricordieux envers mes frères et sœurs de sang, envers mes voisins, dans mon travail, sur mon lieu de travail, dans la société, et pour ceux qui nous ont précédés et ceux qui vont nous suivre. Donc vous voyez que la miséricorde d'Allah est très importante. On a besoin d'être miséricordieux envers nous-mêmes. La compréhension de la Fatiha, c'est un moyen d'être miséricordieux envers nous, parce qu'elle nous rapproche de la miséricorde d'Allah. Et quand on est proche de la miséricorde d'Allah, à ce moment-là, on peut être miséricordieux envers les autres. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوى يا رب يوم الندايا يا صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا
فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدري من أين بعد أسقي جنين الركايا والشطل ما فيه يطفي الأضاء في حشايا رحمك يا ربي إني وذوقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا